Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis. Eh oui, enfin, on y arrive. C'est aujourd'hui la dernière partie sur le genre de la science-fiction. Et là, on va entrer dans un thème dont la définition est à la fois exacte et inexacte. En effet, l'ASF du vivant s'attardera principalement sur des êtres qui peuvent ou non être dotés d'une conscience, mais possédant une intelligence au minimum égale à celle des humains. Nous allons donc débuter sans fioritures avec la première sous-catégorie, le thème du... Très présent dans les histoires de super-héros, le mutant est tout simplement une personne qui a vu son ADN, son cerveau ou son corps modifié de telle manière qu'il n'est plus tout à fait humain. Cependant, une mutation n'est pas nécessairement due à un facteur environnemental, comme un bain d'uranium ou un baiser langoureux avec une météorite. Non, des fois, c'est juste l'ADN qui tente des nouveaux trucs, et au lieu de donner des cancers ou des malformations génétiques, bah ça donne des mutations sympas, comme dans The Sentinel, où le héros possède des sens ultra développés, même si techniquement c'est une caractéristique génétique héritée de ses ancêtres. L'exemple le plus parlant que évidemment tout le monde va avoir en tête, ce sont les X-Men, des êtres humains tout à fait normaux qui, suite à un événement traumatisant, développent des facultés comme des capacités de régénération, des lasers optiques ou de la télépathie. Pareil pour les Tortues Ninja qui étaient, avec leur maître Splinter, de simples animaux errants dans les égouts, jusqu'au jour où ils sont entrés en contact avec un liquide mutagène qui a amélioré leurs capacités intellectuelles tout en augmentant leur taille et leur morphologie, les rapprochant d'une silhouette humanoïde. C'est également le cas dans Lucy, où l'héroïne, après être entrée en contact avec une étrange substance, développe des pouvoirs psychiques et mentaux sans commune mesure, mais qui se fait au détriment de ses émotions et de son empathie. Pareil pour le manga de Get Backers, vu que la majeure partie des protagonistes y possèdent des pouvoirs paranormaux de naissance, comme le personnage de Ginji et sa capacité à produire et absorber de l'électricité naturellement. On a le jeu vidéo Psychonauts, où les personnages sont de simples humains ayant développé des capacités psychiques, et devant ainsi apprendre à les maîtriser. Mais la mutation n'est pas toujours bénéfique. Si déjà dans les X-Men, elle pouvait apporter son lot d'apparences désastreuses, comme pour les personnages de Diablo ou du Fauve, les mutants monstrueux sont davantage perçus comme des menaces que des alliés potentiels. On peut prendre l'exemple des super mutants de Fallout, emmerdeurs constants qui vous mitrailleront sitôt qu'ils vous apercevront, à quelques rares exceptions près. Pareil avec Command & Conquer, un jeu de stratégie qui nous fait découvrir le Tiberium, un artefact fictif qui, s'il est une ressource très intéressante à récolter, possède aussi des conséquences pas très jojo pour ceux qui ont eu la mauvaise idée d'en pelleter à main nue. La plupart mourront à cause des radiations, et le reste deviendra... autre chose. Tiens d'ailleurs, petit jeu, essayez de deviner de quel mutant on va parler maintenant. Eh ouais, les mutations ça ne touche pas que les humains, les animaux aussi sont susceptibles d'être modifiés génétiquement. Par exemple, dans la version originale, Godzilla est un des derniers dinosaures vivants dont la proximité lors d'essai nucléaire lui aura donné la capacité d'émettre des radiations, le rendant encore plus menaçant et capable de cracher un feu atomique. Néanmoins, le terme de mutation n'est pas nécessairement survenu suite à un accident ou une évolution spontanée. En effet, les mutants peuvent tout simplement être une espèce parallèle. Bon, j'explique. Par exemple, vous, votre voisin, votre famille, vos amis, vous appartenez à l'espèce des Homo sapiens. Et pour l'homme de Néandertal, les Homo sapiens, c'est des mutants. Ils sont apparus après lui et leur espèce a divergé de la sienne au fil des millénaires, jusqu'à devenir une espèce à part entière, mais une espèce mutante. C'est ça qui fait tout le sel de la mutation. Un mutant ne le sera que si on le compare à un sujet témoin, c'est-à-dire un être vivant normal, basique, le premier qui était là, quoi. C'est le type de mutation qu'ont choisi de suivre les sœurs Wachowski avec l'excellente série Sense8, qui confronte les sensitifs, des humains liés à 7 autres personnes à travers le monde, leur permettant de communiquer, d'échanger des connaissances, mais aussi des sensations et des émotions. Et là, les sensitifs sont d'une espèce qui s'est développée parallèlement aux humains, et ne sont clairement pas appréciés par ces derniers. Alfred Elton Van Vogt a quant à lui imaginé les Slan dans son roman À la poursuite des Slan, une nouvelle espèce émergente appelée à succéder à l'Homo sapiens. De la même manière, la plupart des modifications accidentelles de l'ADN, elles ont plus de chances de provoquer des cancers ou des maladies auto-immunes que de vous donner des super-pouvoirs. C'est con, mais c'est comme ça. Donc si jamais vous aviez pour projet de vous jeter dans un bain radioactif pour développer des particularités mutantes, bah on va dire que les Darwin Awards n'ont pas été inventés pour rien. En revanche, s'il existe une autre espèce qui, elle, a de fortes chances de relever la tête et de devenir une meute d'individus à part entière au cours des siècles à venir, c'est bel et bien... Pourquoi séparer robot et androïde? Eh bien tout simplement parce que c'est pas la même chose. Un androïde sera obligatoirement un robot, mais un robot ne sera pas nécessairement un androïde. Le robot est un mélange de mécanique et d'électronique, doté d'une intelligence artificielle et à qui on confiera des tâches qui seront au choix trop dangereuses, répétitives ou désagréables pour les humains, tout en s'assurant qu'ils rempliront leur part du contrat sans bavure, sans se plaindre et sans réclamer de salaire.
Ils nous volent notre travail. Ils nous volent notre travail. Volent notre travail. Beaucoup de gens, un peu alarmistes, craignent d'être un jour envahis par les robots et de voir dans un avenir proche le monde devenir similaire à celui de Matrix. Et je suis désolé de vous décevoir, mais c'est déjà le cas. Votre téléphone portable et toutes ses applications, ses logiciels de recherche et tout, c'est un robot. Il est doté d'une intelligence artificielle, certes sommaire, mais présente, pour accomplir des tâches spécifiques. Vous donner l'heure, contacter une personne, vous servir de réveil, lancer des jeux vidéo. Pareil pour votre ordinateur ou votre console de jeu, votre aspirateur automatique. Pareil, un robot. Une machine, c'est d'abord une intelligence artificielle, et on en a eu pas mal de représentations. Comme Maman, l'IA du vaisseau spatial dans Alien, ou le célèbre Shirka de Ulysse 31, ou encore Vicky pour iRobot. D'autant qu'un robot n'est pas forcément une simple IA dans un écran. Des ingénieurs sont déjà parvenus à concevoir des machines mobiles capables de se déplacer et d'accomplir une série d'ordres. Bon ok, on est encore assez loin de la révolution des machines, mais bon. C'est principalement une tentative afin de repousser les limites de la robotique et de l'IA, et je suis assez pressé qu'on s'en rapproche. Tu veux vraiment avoir un robot pour ami ? Ouais, depuis l'âge de 6 ans. On peut prendre l'exemple du robot géant dans Le Roi et l'Oiseau, ou encore de numéro 5 dans Court-Circuit. Ils sont également présents dans Pacific Rim. De gigantesques monstres de métal, dotés d'une forme humanoïde, certes, en tout cas pour la plupart, mais dépourvus d'une quelconque intelligence ou conscience. Ce ne sont rien de plus que des tanks dont le cerveau n'est autre que ses deux pilotes. Situation totalement inverse avec Small Soldiers, où ici les robots sont des jouets, auxquels un irresponsable a trouvé amusant de greffer des puces de l'armée. Dotés d'une véritable IA, leur permettant d'apprendre et de comprendre ce qui les entoure, tout en ayant leur propre but. Les Gorgonites souhaitent vivre en paix, là où le commando d'élite n'aura pour unique but que d'éliminer ces foutus extraterrestres. Parce que fallait bien respecter le quota d'Américains dans le lot. Mais attends, c'est quoi la différence avec un androïde ? J'y venais. Un androïde, justement, c'est un robot qui a été conçu de manière à pouvoir se faire passer pour un être humain. Non seulement au niveau de l'apparence, en lui confiant un corps humanoïde et un visage qui pourrait aisément tromper le plus doué des experts en micro-expression, mais aussi en termes d'intelligence, le rendant capable de flouer une personne lors d'un dialogue. La véritable question devient alors, si l'androïde peut à ce point reproduire la conscience humaine, cela signifie-t-il qu'il en possède une, ou qu'il ne fait que la simuler? Et c'est pour moi ce qui fait la grosse frontière entre l'intelligence artificielle, qu'on peut retrouver dans n'importe quelle appli de base, et la conscience artificielle. Et des androïdes, bon, on en trouve beaucoup dans la SF, en partant du monstre sans âme ayant pour seul but de massacrer des humains, comme dans Terminator, ou à l'inverse des gentils robots qui ne cherchent qu'à être aimés, comme dans IA Intelligence Artificielle. Il y a quelques temps est sorti le film Ex Machina, qui contribue à cette interrogation, sur la limite entre l'humanité et la robotique de l'androïde. Car à ce niveau, il est vrai que l'androïde est un carrefour entre l'homme et la machine. Certains peuvent penser, voire même rêver, comme Sony dans iRobot, tandis que d'autres sont tout simplement incapables d'éprouver la moindre empathie, que ce soit pour des êtres vivants ou pour leurs propres congénères, comme dans Blade Runner. Et vient aussi le cas des androïdes incomplets. Aujourd'hui, nous sommes déjà capables de concevoir des machines ayant l'apparence d'hommes et de femmes, mais dont l'intelligence artificielle est si peu développée que... voilà quoi. C'est un élément qui a été utilisé dans la série Real Humans, confrontant la Suède à des androïdes servant à la fois de machines à baise et de domestiques. Sauf que suite à des piratages, certains d'entre eux commenceront à développer des sentiments. Pareil avec Westworld, un parc d'attractions reproduisant le Far West, et où les clients sont invités à agir comme bon leur semble avec les différents représentants mécaniques de l'endroit. Sauf que manque de bol, certains des autres commenceront à se remémorer leurs précédentes existences. Cependant, il faut croire que certaines personnes ont râlé sur le terme de « androïde » parce que, étymologiquement parlant, ça signifiait « qui ressemble à l'homme ». Du moins, c'est ce que je crois, car à mon sens, j'ai toujours considéré qu'un androïde était basé sur la ressemblance avec un être humain, peu importe son sexe. Pourtant, il existe tout de même le terme de « gynoïde » qui désigne des robots ayant spécifiquement l'apparence d'une femme. C'est tout ? Ouais, on peut parler des cyborgs maintenant. Mais tu viens pas de le faire ? On va mettre les choses au clair tout de suite. Un androïde n'est pas un cyborg. Et inversement, un cyborg n'est pas un androïde. Mais quelle est la différence, me demanderez-vous ? Eh bien, c'est tout simple. Un androïde est un robot conçu de manière à ressembler aux humains, autant physiquement qu'intellectuellement. Et à l'inverse, un cyborg est à la base un être humain auquel on a greffé des parties robotiques, mécaniques ou électroniques. Le Major Kusanagi de Ghost in the Shell est un cyborg. Le Terminator est un androïde, contrairement à ce qui est dit dans le premier film de la licence d'ailleurs. Une machine ? Comme un robot ? Pas un robot, un cyborg. Pour aller plus loin, dans notre univers à nous, les cyborgs existent déjà. Si on vous a greffé un pacemaker, vous êtes un cyborg. On a même réussi à recréer et greffer des cœurs synthétiques. Bon ok, à l'heure actuelle, aucun des greffés n'a tenu plus de quelques mois avant de passer l'arme à gauche. Mais, ils ont quand même tenu quelques mois.
ça reste un progrès. Et récemment, avec l'arrivée tant attendue des prothèses mécaniques, l'ère des cyborgs va arriver. Nous entrons dedans de plein pied. À présent que nous sommes capables de remplacer des membres perdus, nous avons franchi un pas considérable. Bon d'accord, ces prothèses obéissent au cerveau, mais elles sont pas encore capables de ressentir quoi que ce soit. Mais, on progresse. Dites-vous que bientôt, nous serons presque tous augmentés comme dans Deus Ex. Quoi ? Bah, excusez-moi, mais vu à quel point des portables blindés d'applications peuvent se répandre comme une traînée de poudre, vous pensez vraiment que les humains vont résister longtemps avant de se faire directement implanter leurs applis dans le corps ? Mais après, cette modification du corps humain, elle pourrait être effectuée dans un but salvateur, contrairement à Deus Ex. On a l'exemple de l'Homme Plus, de Frédéric Pohl, dans lequel les humains seraient transformés en cyborgs afin de survivre plus facilement à la terraformation de Mars. Pour en revenir au classique, dans Dragon Ball, les personnages de C-17 et C-18 sont des cyborgs. Pareil pour Gunn et Fullmetal Alchemist. Gally et Edward sont des cyborgs. Et on peut aussi parler du manga Gunslinger Girl, dans lequel des petites filles sont cybernétisées afin d'en faire des machines à tuer. Le tout dans un contexte assez brûlant de l'Italie, avec des terroristes et des manipulations politiques. Alors vous allez me demander, pourquoi des petites filles ? Déjà d'un point de vue biologique, parce que les scientifiques ont du mal à empêcher le rejet sur des sujets plus âgés ou sur des garçons, je sais pas si c'est réaliste, mais bon. Et la deuxième raison est tout simplement logique. S'il y a bien un type de personne qu'on ne devinera pas être un tueur à gages expérimenté, eh bien une petite fille. Du coup, effet de surprise, ce qui rend les gamines d'autant plus meurtrières. J'espère que les fans d'intelligence artificielle en ont eu pour leur compte, parce que maintenant on va revenir à l'humain de base. Enfin, pas tout à fait. Car s'il y a bien un point du vivant qui fascine énormément les fans de SF, c'est bien. Ne nous mentons pas, pouvoir vivre plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, c'est un fantasme courant. Et même si certaines personnes avancent de véritables arguments, en faveur ou non de cette longévité infinie, s'il y a bien une catégorie qui nous permet de jouer avec l'immortalité avec des justifications plus ou moins sérieuses, c'est bien la SF. Et le premier, celui que la plupart des gens attendent, c'est le Docteur. Le Docteur est un seigneur du temps, c'est-à-dire un extraterrestre doté d'une apparence humaine et dont le corps vieillit très lentement. D'autre part, lorsqu'il se retrouve à deux doigts de la mort, un seigneur du temps peut se régénérer, c'est-à-dire booster son organisme de manière à le guérir entièrement. L'inconvénient étant que ça engendre une modification physique et mentale aussi brusque qu'irréversible. Et puisqu'on parle de Doctor Who, on peut également parler de son spin-off Torchwood, qui nous fait suivre les aventures du capitaine Jack Harkness, qui aura développé une immortalité totale, faisant de lui un point fixe dans le temps et l'espace. Ce qui peut être un avantage, mais quand on voit tout ce qui se mange dans Torchwood, pas forcément. Un autre exemple, c'est celui de Perry Rhodan, une série de SF allemande qui date depuis les années 60, et qui est toujours d'actualité. Perry Rhodan est un astronaute américain qui, après un atterrissage sur la Lune, découvre l'existence d'un vaisseau Arconide, dont les membres ont besoin d'aide médicale. En récompense de son aide, Perry se verra accéder à la technologie des Arconides qu'il refusera de partager avec les deux blocs. Car oui, l'histoire débute pendant la guerre froide. Suite à cela, Perry voyagera dans l'espace aux côtés des Arconides et finira par rencontrer l'Immortel, un extraterrestre qui lui fera découvrir les bienfaits de la douche cellulaire. Je déconne pas, c'est vraiment comme ça que c'est appelé. Et cette douche cellulaire a pour avantage d'empêcher le vieillissement pendant 60 ans, moyennant une session entière de 24 heures toutes les 6 décennies. Perso, je trouve que ça vaut le coup. Cependant, même s'il s'agit d'une série extrêmement populaire en Allemagne, elle n'a jamais eu d'adaptation digne de ce nom. Oui, parce que le Mission Stardust de 1968, non. Il a pourtant eu droit à une adaptation en jeu vidéo, connue sous le nom de Perry Rhodan, le mythe des îles Chim. Du côté de la résurrection, par contre, on connaît déjà. Bon, ok, dans une certaine limite, mais on arrive quand même à ranimer quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, ce qui est déjà pas mal. Bon, ça marche pas à tous les coups, et il peut y avoir des conséquences néfastes. Mais, ça reste une manière de ramener un individu à la vie, grâce à des méthodes scientifiques. Bon après, évidemment, si on compare au sarcophage de guérison dans Stargate, c'est clair que niveau résurrection, on fait franchement tapette. Mais une résurrection ne passe pas nécessairement par une régénération complète du corps et de l'esprit après la mort. Pour preuve, la créature de Frankenstein de Mary Shelley, qui a été conçue à partir de cadavres humains. C'est une forme de résurrection, même s'il ne possède aucun souvenir de l'existence des précédents propriétaires de son corps. Enfin, ça dépend des versions. Mais de la même manière, revenir à la vie ne signifie pas nécessairement revenir entièrement, physiquement, à la vie. Ce peut être juste une conservation de son esprit après la mort. Ce peut être de revenir dans un autre corps ou autre chose. Pour l'exemple, on a Echo, une jeune photographe qui est, lors d'une de ses sorties, alertée par une explosion et recouverte par un étrange métal dont elle ne peut se débarrasser. Et non seulement cette armure en témil semble dotée de facultés défensives hors normes, mais comme si ça ne suffisait pas, on se rend très vite compte qu'elle a conservé, dans ses cellules, la conscience de sa précédente porteuse. Et pour finir, je vais vous parler de Revival, une petite ville paumée dans les États-Unis qui voit les morts revenir à la vie. Et non, ce n'est pas une œuvre de zombie, puisqu'au contraire, ici les morts revenus à la vie conservent leur conscience et leur intelligence, mais sont également dotés d'une grande force et de capacités de régénération sans précédent. Et voilà !
Eh ben, c'était pas simple du tout, dis donc. 5 épisodes pour un seul thème. Je ne pense pas que d'autres genres, littéraires ou filmiques, auront à nouveau besoin d'autant de recherches et d'explications. En tout cas, moi, si ça vous dérange pas, je vais faire une pause. J'espère que cette longue traversée de la science-fiction à travers l'espace, le temps, la société et le vivant vous aura autant intéressé que je me suis marré à la faire. Et je vais donc vous laisser là, en attendant le prochain épisode. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis.